Invité de 7 à 8 ce dimanche 21 mai, Ramzi Bedia se confie sur ses premières années en France. Il raconte notamment les sacrifices de son père et son souci que ses enfants s'intègrent absolument. Ramzi Bedia est l'invité de 7 à 8 pour le portrait de la semaine de l'émission du 21 mai. Questionné par Audrey Crespo-Mara, il a notamment évoqué son enfance et les difficultés rencontrées par sa famille, la question de l'intégration et les sacrifices que son père a fait pour lui, comme on peut le voir dans un extrait mis en ligne sur les réseaux sociaux en avant-première. Le comédien a également raconté en quoi l'humour a finalement été pour lui un formidable moyen de s'extraire d'une condition difficile. C'est dans un contexte tendu que la famille Bedia est arrivée en France. C'était en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Son père prenait très à cœur le fait que le petit Ramzi soit comme les autres. J'allais à l'école catholique, je faisais mes prières tous les matins. Et le soir je voyais mon père le front sur le sol en train de prier, raconte l'artiste. Il me disait, tais-toi et intègre-toi. À l'époque c'était comme ça. Le jour où Ramzi a découvert l'humour, les difficultés d'intégration n'étaient pas que d'ordre culturel pour le jeune Ramzi, mais aussi social. La famille de 11 personnes survivait avec un SMIC. On était à Gennevilliers dans une banlieue difficile. Son père a continué à travailler jusqu'à ses 80 ans comme chauffeur de taxi pour pouvoir lui payer l'école privée. Mais dans cette institution, Ramzi sera longtemps mis de côté. Je n'aille pas les bonnes chaussures, je n'aille pas les bons amis, je n'aille pas la mobilette. Ce sont ses talents d'humoriste qui lui ont finalement permis de s'intégrer. Il apprend un jour qu'un groupe d'élèves organise une fête. J'entends, on n'a qu'à inviter Ramzi, il nous fera rire. C'est ce jour-là où j'ai compris, explique le comédien. C'est ainsi qu'il a pu commencer à se faire des amis, et même à attirer le regard des filles. Elles te pécho pas, mais te regardent, déjà. S'amuse-t-il ? Ramzi et la question de l'intégration. Ramzi a souvent évoqué la question de la tolérance et de l'intégration dans des rôles comiques, de « il reste du jambon » à coexister. Mais il traite aussi le sujet de manière plus sérieuse. En 2022, il a raconté avoir été tabassé par des flics, comme par les skinheads, durant sa jeunesse, alors qu'il n'était ni turbulent, ni délinquant. Plus récemment, il a évoqué un projet de film dans lequel tous les Maghrébins quitteraient la France. Et on va voir, vu que c'est nous, le problème, si ça va tout régler, expliquait-il à Libération. Duzis post ton Instagram à post shared by Audrey Crespo Mara @Audrey Crespom, article écrit en collaboration avec Cimedia. À lire aussi, j'ai fait 3 mois de psychiatrie. Ramzi Bedia confie ce qu'il a sauvé quand il était à l'armée dans en aparté.